Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment brancher des clignotants en mode warning et même comment brancher des clignotants tout court. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors comment fonctionne le branchement? C'est très simple. Vous allez avoir besoin d'un relais, c'est un relais clignotant LED. Donc ça va permettre de faire clignoter, tout simplement. Sans ce petit relais, ici, le clignotant resterait fixe. Donc, le relais est directement relié à votre batterie à l'aide du plus et du moins. Ici, plus, ici, moins. Le L étant la sortie. Donc, la sortie, c'est ce qui va aller directement à l'interrupteur. Donc, je branche le plus et je branche le moins sur la batterie. Ensuite, je viens prendre un interrupteur. L'interrupteur, il a une entrée et une sortie. C'est que du plus. Sur l'interrupteur, bien sûr, on met que du positif. Donc, je viens le brancher au L du relais. Donc là, maintenant, on sait que le relais est alimenté par la batterie. Le relais vient alimenter l'interrupteur qui, lui, vient directement se brancher sur le plus des clignotants. Le moins du clignotant, ici, le négatif, on va venir directement le prendre sur la batterie. Donc c'est une masse, hein, vous pouvez le mettre sur d'autres masses du scooter. Là, j'en ai pas, donc je viens directement le brancher sur la batterie. Donc là, les clignotants sont sous tension. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, voilà, j'ai mes clignotants qui fonctionnent. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Si je relâche, bien sûr, donc ça fonctionne parfaitement. Donc on va faire un petit résumé. Ici, les clignotants sont branchés au positif. Excusez-moi, le positif des clignotants est branché à un interrupteur qui lui-même est branché à la sortie positive du relais. Lui, le relais, est branché directement à la batterie du scooter sur le négatif et le positif. Le négatif des clignotants est directement relié à la masse du scooter, moi ici dans cet exemple, directement sur la batterie. Et ensuite, vous pouvez avoir vos warnings. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous éclairer sur vos branchements, et puis bah, si vous avez des commentaires ou des demandes particulières, n'hésitez pas, je suis là. Allez, à bientôt!